à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien ce nouveau jour. Alors, c'est petit Stéonig. Le pire c'est que hors vidéo je l'appelle même pas Stéonig, c'est ça le pire, je l'appelle Stéonig normal. Bref, nous sommes avec Corinne, nous l'accompagnons aujourd'hui, donc elle travaille, donc elle est en train de travailler là. Franchement c'est bien quand même, tu travailles, tu te promènes, tout ça. T'es pas payé de ouf, hein, oui, mais... c'est pas le salaire hein, qui compte hein, dans assistante maternelle. Hein, vous êtes un peu quelques-unes à être assistante maternelle, hein, vous comprenez le sujet. Bref, et donc nous allons au parc de Salelles-d'Aude, juste à côté de chez nous. Donc nous l'accompagnons. Ah, déjà, en tout cas, merci pour tous les commentaires que vous avez laissés sur les vidéos les deux derniers, trois derniers jours. Là, c'est un truc de ouf. Merci, hein, ça fait grave plaisir. On arrive là, à l'heure où je vous parle, on est à 4199. C'est notre record hein, pour le moment. On n'a jamais été aussi haut, donc continuez à mettre des pouces bleus, des commentaires. Ça fait grave plaisir de voir que notre communauté grandit de jour en jour. Voilà. Bref, et donc nous allons au parc. Nous allons au parc. Donc Corinne pour voilà pour occuper les enfants. Bah, l'enfant seul avec notre fille. Oui. Parce qu'elle veut absolument sortir. Hein. Et donc Adam aussi. Et en fait, alors ce matin, je vais faire un truc de malade. C'est que en gros, j'ai ressorti mes rollers. Wouh ! Les rollers que j'ai pas utilisés depuis au moins 6 ans, je pense. C'est ça. Hein On en avait fait quand. C'est vrai. Ah ouais, non, bah alors non, ouais, j'ai les. Ça fait ouais. Ouais, mais pas sur skatepark. Non, on l'avait fait sur route. Parce que là, en fait, dans le parc où elle va, il y a un skatepark. Et en gros, je vais tester de remettre mes rollers. Alors, mes rollers, ils sont. Il y avait des toiles d'araignée à l'intérieur. Il y a même du moisi dessus. Il y a du verre. Il y a des champignons, carrément. Ah, du sport. Bah, le verre, c'est quoi? De la mousse. De la mousse de. Bah, de la mousse. Il y a de la mousse dessus, tu verras. Bah oui, bah c'est normal, il y a l'humidité du. Faut que je lave les chaussons. Parce qu'en fait, les rollers sont stockés à côté du spa et là du sèche-linge, parce qu'elle a remis le sèche-linge. Ah, j'ai pas le choix. Et donc, en gros, en fait, toute l'humidité stagne là à ce niveau-là, et vu qu'il fait froid la nuit, tout ça. Ouais, ça doit être des pommes là. Il y a des pommiers, je crois. Il va falloir faire un tour. Ouais, non, elles sont vertes. Bah. Avant de mûrir. Alors oui, là c'est plus la saison des pommes à cueillir, donc je pourrais aller chercher des trucs. Et je suis pas sûr que le gars il aille les chercher, sachant que il a planté ses arbres au mois de juin. Il a déjà des non l'année dernière peut-être alors. Non, c'était, je crois que l'année dernière c'était des bébés arbres. Ah ouais, c'est ça, il les a plantés l'année dernière. Voilà, donc en fait voilà, je vais remettre des rollers aujourd'hui et je pense qu'on va rigoler. On va voir si c'est comme le vélo, ça se perd pas. C'est surtout mes genoux, je pense qu'ils vont moins rigoler. Ouais, voilà, ça risque de. Bref. Voilà mes rollers. Ça y est, j'ai enfin réussi à mettre mes rollers. Je suis trop serré dedans. Mais bon, allez, on va essayer ça. C'est comme le vélo, hein. Ça se perd pas. Il serait temps que je parte dans le vlog quand même. Il est 16h. Les enfants sont en train de goûter, on vous a quitté quand? Ah ouais, j'ai parlé que ce matin en fait, genre une minute. Vous avez vu sur M6, il y a Dylan. Non là ça c'est un. C'est une rivière. Ça c'est une rivière. Dylan avec du barbelé. Ouais, c'est Dylan de Beverly Hills. Bref. Je suis en train. Alors déjà je vais vous montrer les magnifiques cookies que Corinne a fait. Ils ont l'air trop bons. Ouais, ils sont. Hop, ils sont. Ah.
Ils sont tout moelleux, voilà. Ils sont pas croquants, ils sont croquants moelleux. Et je suis en train de faire la déco. Regardez, bam, 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 bam. Là, j'ai juste à coller le deuxième qui va aller. Donc la première va aller là, dans le coin là, et le deuxième va aller là. Voilà, voilà, il y a Dylan. Ah non, ça c'est pas Dylan, là c'est Dylan. Bienvenue dans les tutos en folie. Pour ce tuto, on va faire cette magnifique lampe que vous venez de voir. Alors, il vous faut un bois flotté. Soit assommer ta fille. Pas. T'imagines ça dans les films, tout. Je passe. Voilà. Une lampe LED qui nous a coûté 77 centimes, si je m'en rappelle bien, 76. Ouais, ou 72, ou dans ces... moins d'un euro, sûr. Voilà, on va dire moins de 80 centimes, même, c'est sûr. Ouais, c'était voilà. 70 centimes, c'était un set. Et franchement, rien de plus simple. Rien de plus simple, ouais. Déjà, il faut défaire le côté. Regardez ma belle tasse de Noël. On est en mode tuto là! Regardez ma belle tasse de Noël. On est en mode tuto avec un petit comme tuche. Il y a Dylan en arrière-plan là-bas. Ouais, il y a Dylan en arrière-plan. Je l'ai déjà dit dans la vidéo. Ouais, bref. Donc, rien de plus simple, sérieusement. Hein. Alors, déjà, on défait les nœuds parce qu'il y a un nœud là. Je sais pas comment j'ai fait pour faire un nœud. Sans casser la LED. Voilà. Hop, on le met tout droit comme ça. Sans colle, sans rien. Bah, il y a juste le bout que je vais. Il y a juste ça que je vais coller parce que sinon ça évite. Voilà. Donc là, vu que le bout de bois, il y a déjà un tour. Comment il est attentif, Stéoni, c'est un truc de malade. Voilà, hop. Hop. Ah, il n'y a rien de plus simple. Hein. C'est clair. Et ça fait ce petit déco qui fait de l'effet, quoi. Ça fait son petit effet! Ouais, je vais ressortir mes coussins de Noël. Même si on va pas mettre la déco tout de suite parce qu'on peut pas. Oui, finalement, on va pas mettre la déco tout de suite. Oui. Qui vont ravir certaines personnes. Mais la déco, nous pouvons pas la mettre finalement avant le 25 novembre, on peut pas parce que j'organise une petite fête pour une amie pour son futur bibi. En gros, une baby shower. Voilà. Ouais, ça va ressembler un peu à ça, mais pas à l'américaine purement, même si j'aimerais. Mais déjà, ça va être, je pense, ça peut être pas mal. Et moi, j'aurais bien aimé mettre quand même la déco de Noël. Si, un peu, voilà. J'aurais bien aimé quand même la mettre, la déco de Noël, mais il non, veut moi, pas. Je veux pas, parce que je veux pas mélanger deux thèmes en deux. Voilà. Parce que ça serait que moi, voilà. Parce que puisque ça va être. La colle. Mais bon, c'est pas grave. Le 26. Normalement, je travaille pas. Même si je travaille, de toute façon, je travaillerai pas. Non, non, je rigole. Je sais pas où si je travaille le matin. Eh ben ouais. 26. Ouais, je sais pas, on verra. J'aurais dû mettre les piles avant de le coller. Mais du coup, oui, on fait la déco la journée du 26, normalement. Hop, voilà. Il me faut des piles. Piles. Hop, tac, tac. On va remboîter le truc. Bim. Et voilà. Alors, une lampe qui nous a coûté. Si on compte les piles, 1,50€. Ouais. Voilà. Sachant que ces piles-là durent vachement longtemps, c'est l'action. Bon. Ouais, c'est joli. Que je vais mettre là-bas. Je vais vous montrer après. Ouais, il vous montre après. Voilà ce que ça donne. Mi. C'est beau. Alors, vous pouvez remarquer qu'il y en a une qui éclaire beaucoup plus que l'autre parce qu'on a passé déjà 10 minutes à trouver des piles. Et on a été obligé de prendre des piles usées sur celle-ci pour vous montrer ce que ça donne. Donc, les deux lampes nous ont coûté moins de 2 euros. Bienvenue dans la folle vie de la famille B. Alors là, dans la folle vie de la famille B, nous... Les tutos pour les défaire ouais. De la vaisselle. On enlève les verres du lave-vaisselle. Et voilà. On remplit le placard. Et on va remplir le placard. Attention. Oh, c'était ouf. C'était risqué. Ouais, non, bien sûr, on rigole, bien sûr. Hein, on rigole pour ce soir. Est-ce que vous a dit ce qu'on avait mangé à midi? Non, bah on a mangé des escalopes à la crème, voilà, avec du triple riz. Je sais pas si vous connaissez ce triple riz, ce tri. Comment? Je sais pas. Va voir. Mais je crois que c'est de l'espagnol, non? Il est à droite là. Je parle pas espagnol. Si? Ouais, je sais pas. C'est un mix de riz où il y a du riz noir, du riz rouge et du riz blanc. C'est trop bon. C'est ça. Hein, c'est un mix de riz. C'est un mix de riz. Voilà. Et donc, c'était très bon. Il s'est mis à la crème. Et pour ce soir, c'est... Éco Plus.
Fromage à raclette, ouais, je vois pas pourquoi. Eco Plus, ça vient d'où ça? Éclair, mais ça date hein, qu'on les avait dans le congélateur. Hein. Donc c'est de la récup. En mode récup pour le repas de ce soir. Donc c'est raclette. Et en fait, pourquoi on fait une raclette? Alors il y a une simple et bonne raison. C'est pas parce qu'on en a envie. Oh la blague. On en a envie aussi un petit peu, mais c'est qu'en fait hier on est passé, donc si vous êtes abonné à mon Instagram, vous avez dû le voir il y a quelques jours sur... Ouais, parce qu'en ce moment je suis en mode story Instagram. Et donc en fait on a eu toutes les le jambon, les chorizo, tout ça. Bon, comme on s'est dit avec Corinne, le mot halal fait peur. Hein. Dans les petits villages, le mot halal fait peur, on le conçoit. Tant mieux pour nous. Qui a vous pu acheter du halal à moins 50%. C'est clair, on va pas cracher. Donc voilà, et finalement ce soir on se fait une bonne petite raclette des familles. Voilà. Merci pour ceux qui n'achètent pas. Bah ouais, mais l'inconvénient c'est qu'ils n'achètent pas, mais c'est qu'ils en remettront plus. Ouais, à mon avis c'était un test. Ouais, ils ont dû faire un test et en fait toute la charcuterie était voilà, à moins 50%, donc on a tout acheté. Les gens sont bêtes. Ah, non, on n'a pas tout acheté, je rigole. On a juste acheté ce qu'il nous fallait pour pouvoir faire une raclette. Parce que finalement, ce qu'on vous a pas dit, à l'origine, on n'y allait pas pour ça. On y allait pour du papier toilette. Et des papiers toilettes. On va pas dire l'autre chose pour qu'on allait là-bas. Mais Et ensuite, donc on est parti au rayon 50 zéro déchet. Et on a vu plein de yaourts. Et de la charcuterie, voilà. Le yaourt, c'est clair que c'est un truc de mal. Par contre, on est dégoûté parce qu'en fait, on est parti, on y a été en début de semaine. Je sais pas si c'était le vlog d'hier ou d'avant-hier, bon bref. Et en fait, il y avait le pain de mie. Le pain de mie. En fait, à l'origine, on voulait du pain de mie. Et en fait, on arrive et en fait, il n'y en avait pas dans le rayon 0. Et donc, on est parti dans le rayon normal. Et en fait, en regardant derrière les dates étaient plus bonnes. Et en fait, on s'est tâté à l'emmener en caisse directement, à lui dire « Ouais, mais il est plus bon, je le veux à moins 30. » Mais on n'a pas osé réclamer, ouais, nous ne sommes pas des réclamateurs. Ça se dit, ça, moi, des réclamateurs. Je sais pas. Mais on n'a pas fait non plus les sauvages. Ouais, on aurait pu, je sais qu'il y en a... Il y a des personnes qui l'auraient fait. Ouais, certainement, mais voilà. Mais nous ne l'avons pas fait, on n'a pas abusé. À chaque fois qu'on y passe, de toute façon, en ce moment, c'est que du moins 30%, voire là, moins 50%. Voilà, donc là nous sommes en train de se poser une question existentielle ce soir. Oui. C'est est-ce qu'on filme le calendrier de l'Avent? Voilà, est-ce qu'on filme le calendrier de l'Avent ce soir ou pas? Ouais. Voilà. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'en gros, comme on vous a dit, on va pas décorer avant le 24, 26 novembre. 26, ouais. Le salon, et la convenance c'est que pour quand même faire un calendrier de l'Avent, faut décorer un minimum pour que ça soit. Voilà, un peu stylé. Ouais, vu la motivation de Corinne. Ah, si, après, si, voilà. C'est soit toi, tu le fais tout seul dans ton atelier, et voilà, tant pis, c'est pas grave, moi, après. Alors, moi, vous savez quoi? Ben, attends, ça, c'est le vlog d'après-demain. Donc, il y a le temps encore pour le faire. Ouais. Mais tu... Vous allez décider si vous préférez qu'on soit deux. Oui, je sais ce que. Oui, on le sait très bien ce que vous allez dire. Mais c'est vous qui décidez. On aime bien faire décider nos abonnés. Elle sera quand la vidéo là? Laquelle? Celle-là là, qui vont décider. Alors là, aussi, voilà. Nous sommes quel jour? Mercredi. Ouais. Celle de jeudi est déjà en ligne. Elle a mis deux jours à s'uploader. Je l'ai mis hier matin et là, elle vient tout juste de finir de s'uploader. Ça sera vendredi alors. Vendredi matin. Donc au pire, bah vendredi soir, vu que ah bah si, je suis en formation. Bon, cool. Il y aura pas de formation à mon avis. Bref, vous décidez savoir si vous voulez les deux ou moi tout seul dans mon atelier comme un petit malheureux. Ouais, t'as compris que je voulais qu'elle soit là. C'est ça. Voilà. Mais ça sera dans le salon, pas dans l'atelier. Oui, donc on décorera juste pour ça le truc. Ouais. Voilà. Donc dites-nous dans les commentaires et ça sera notre calendrier de l'Avent 2018. Voilà. Voilà. Bref. Ouais, voilà. Je suis mort en fait. C'est vrai? Ouais. Tu sais, le mec, le roller m'a tué. M'a tué les jambes. Ouais, demain tu risques d'être combattu. Ouais, mais bon, c'est pas grave, ça fait du bien. Oui, voilà. Bon, ce qui est chiant, c'est que c'était mouillé, donc j'ai pas pu. Faut dire que tu choisis pas forcément la bonne saison pour faire du roller. Bah, je choisis pas. Tu préfères que je le fasse en pleine canicule que je sois
Bah non, mais il y a le printemps où il fait... là, en ce moment, on est au printemps, mais il fait humide, donc... Est-ce que vous aussi, vous êtes envahi par les moustiques? Ah ouais, mais c'est un truc de malade, quoi. On est envahi de moustiques. Et il y a encore les mouches, mais là, le pire, c'est les moustiques. Les moustiques, il y en a beaucoup plus que les mouches. Mm. Voilà. C'était le blabla. Il est lourd, le téléphone. Tu veux pas relier? Non. Non, je vais aller ranger la salle de bain. D'accord, donc on va se quitter maintenant? Bah, vas-y, quittez-vous. Quittez-vous. Allez, je vous quitte. Alors, maintenant, je vous dis à demain. Si tout va bien.